Pas le mot que j'utiliserai. Ça va aller la castafoire, t'as envie qu'on en parle? Ah oui, quand même! Oh putain, d'accord, ok. Ah mais je peux récupérer moult choses, du coup. Récupérons moult G. Ah, ça y est, ma barre de vie est redevenue normale. Mais c'était flippant, cette histoire de piratage, là, je... Ah. Ouais, ouais. Quoi ce bordel? Ce sont des murs. Ah, putain! L'homme géant! Ah! Tout va bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Ça se passe super bien, c'est super cool. J'adore le jeu vidéo. Le jeu vidéo n'a jamais été une erreur. Alors. Alors, on va jouer à un jeu super fun qui s'appelle Crève. Mais qui a clé à cœur? Ah mais tu sais quoi, on va rester là, on va t'attaquer d'ici, ça va être bien. Ça va être fun. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Noté. Bouge-toi le fion ou tu vas manger chaud la rascasse. D'accord, c'est noté. Alors. T'as pas l'air d'être super fan de ce qui est en train de se passer là, n'empêche. Ah. Justement, comme t'es pas fan, on va peut-être avoir une discussion. Un heart to heart, comme disent les Américains. Et s'il y a un jeu qui est vraiment influencé par les Américains, c'est bien Nier Automata. Allez! Allez, mode Bray Wyatt activé. D'accord, très bien. Et en fermant ta grande gueule. Juste... Ah! Pardon, madame. Pardon, madame. Pardon, madame, je voulais pas être vulgaire. Pardon, madame, excusez-moi. Il fallait pas le prendre comme un manque de respect. Ok, ça, c'était pas une bonne idée non plus. Et ça, c'était absolument pas ce que j'avais envie de faire. Non, mais foutez-moi la paix, madame. Désolé s'il y a une confusion au niveau de l'objectif que j'avais vis-à-vis de vous, rapport vis-à-vis l'existence, tout ça. Mais non, mais foutez-moi la paix. D'accord. Niveau 11. Merci. Là, je m'en fous un peu, mais merci. Pourquoi je ne peux plus donner de coups? D'accord. Holy shit! Ok, d'accord. Même personne pour nous applaudir? Après un tel spectacle? Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Merci, public! Pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Il n'y aura pas de répéter de... Comment on dit nouveau? We have to save those androids. Ah putain, c'est eux qu'on voulait sauver. Oh. Il n'y aura pas de rappel. Alors. Attaque sans arme. Ah non, attaque arme. Okay. Donc, en butant l'ennemi qui a essayé de nous attaquer, on a buté tous les androïdes qu'on devait sauver. On est la meilleure équipe du monde. Heureusement qu'on est là. De bénéfice sauve le monde. What is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Mm-hmm.
Ouais. Je crois que la théorie de les machines n'ont pas d'émotion a volé en l'air à peu près au bout de 14 minutes, je dirais, environ. Donc, virgule, bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas hostile du tout, il a un putain de drapeau blanc. Oui, et ça a l'air assez cohérent de ce qu'il dit. Excusez-moi, Elton Ferragun, Alsace, France. J'ai une question à vous poser par rapport au mot que vous venez d'utiliser là pour décrire la situation dans laquelle... la question que j'aimerais vous poser serait... Qu'est-ce qui se passe dans ce putain de jeu? On enchaîne. Oui. Oui, ça va être une mission d'espionnage. Vous avez des boutiques? Est-ce que vous avez des coins de pêche? Parce que si vous avez des boutiques et des coins de pêche, je passe les 9 prochaines heures de jeu chez vous. Ah, c'était la porte qui était fermée tout à l'heure. Ah. Oui, jusqu'ici, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un piège quand même. Nous ferions-nous baiser? 2 secondes. J'arrive, Josiane. Ou José, peut-être. Blague incoming sur les Français avec le drapeau blanc. Non, mais je vous en prie. Pas de ça chez nous. Enfin, c'est vrai que si le personnage se mettait à parler avec des sacres bleus, je ne serais pas outre mesure choqué. Oui, c'est vrai que j'ai acheté des super boosts de vitesse, donc autant en profiter un peu pour passer cette séquence-là en vitesse rapide. Est-ce qu'on va dans le château de la princesse? Je veux aller dans le château de la princesse! Je veux faire une photo avec Elsa! Ça se tient. Je veux faire une photo avec Elsa! Pour plus vite que toi, mec, est un vaisseau volant. Bouge-toi le fion. Ah! C'est exactement ce que je voulais faire. Pause. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a une flèche vers le haut. Okay. Bon. Attendez, je fais un tout petit détour, j'arrive. C'est ça d'avoir la foi. C'est ce qui fait la différence. Je l'ai démonté, Elsa. Tu parles mieux d'Elsa, P-Knight. N'accepterai pas que ce genre de langage soit utilisé à propos d'Elsa. Ah, mais vous secouez tous des drapeaux blancs, en fait. Ok. Étrangement, j'ai d'autant plus envie de tous vous buter. Mais bon. Je viens du château d'Elsa. Mais j'ai pas vu Elsa, j'ai pas vu la Reine des Neiges. Je voulais voir la Reine des Neiges. Bonjour. Alors, je sais que vous vouliez pas vous battre, mais ça vous dirait qu'on fasse un petit combat quand même? Écoute. C'est marrant parce que vous ressemblez quand même beaucoup aux gens qui ont essayé de me péter la gueule. 2B, we can't trust anything the machines say. Hein. Nainès, est-ce que tu serais pas un peu... Alors, c'est quoi l'équivalent raciste pour les robots? Robociste? Rossiste? On va dire rossiste. Hein? On va se centrer sur rossiste. Rossiste, ça me paraît pas mal. C'est le nom d'un langage de programmation. Vous comprenez? C'est fortement sous-entendu. Vous avez l'air plutôt calme. La musique est géniale. Nous sommes de votre côté. Ne vous inquiétez pas, nous sommes de votre côté. Il y a peu de choses plus suspectes que des gens qui te répètent en boucle qui sont tous de ton côté, remarque. Mais bon. Disons qu'au courant de mon existence, à chaque fois que quelqu'un arrêtait pas de me répéter qu'ils sont de mon côté, j'étais sur le point de me faire baiser. Mais, vérifions.
Nous sommes de votre côté. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Nous voulons pas combattre. Ok, c'est à la limite, je veux bien entendre. Le drapeau blanc signifie qu'on se rend. Oui, je sais ce que ça signifie un drapeau blanc. Je suis français, monsieur. Nous avons inventé le drapeau blanc. Nous avons perfectionné le drapeau blanc. Nous sommes les maîtres du drapeau blanc. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ok, oui. Vous êtes relativement tous sur la même longueur d'onde, hein. Même de l'autre côté. Oui, non, mais vous pouvez arrêter avec les drapeaux blancs, les mecs, là. Je crois qu'on a à peu près compris, en fait. Je crois qu'on a pigé où vous voulez en venir. On se rend, mais j'étais même pas en train de vous attaquer. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ne vous inquiétez pas, nous sommes de l'autre côté. Ok, bon. D'accord. Maintenant qu'on a clairement théorifié le fait que vous soyez tous de notre côté. À qui il faut que je parle ici pour avoir du poisson, bordel. D'accord, d'abord, faut que je redescende. D'abord, il faut que je redescende. Merci. Bonjour. Je peux garder votre village vivant à une seule condition. Indiquez-moi le coin de pêche le plus proche. Entretenons déjà un semblant de relation avec des androïdes, sans déconner. Je vais associer Anemone au camp de la Résistance. Un filtre à carburant, c'est elle qui nous a demandé. Elle travaille... Pascal est aussi un langage... est aussi un nom en consonance pensé au passage. C'est pas faux. Alors. Liste des objets obtenus, filtre à carburant 1. Ok. Là, on va pas tout de suite... Ah si, c'est littéralement mon objectif de quête, là, ou... Est-ce que je peux... Oui, c'est littéralement mon objectif de quête. D'accord. Est-ce que je peux me téléporter? Non, sauvegarde rapide uniquement. Ok. J'ai pas le droit d'être une flémasse. Maître Jean-Paul. Maître Jean-Paul. Qui m'a appelé Jean-Paul, Kevin? C'est le seul mec qui a pas de drapeau blanc, il m'appelle Jean-Paul. Accessoirement, il a un visage de clown qui est dessiné. Ah oui, c'est le petit rigolo du village. Désolé. Oh putain, ah non, je suis désolé. Ah mais je pensais pas que ça marcherait vraiment. Ah donc je peux les gorer si je veux. Bah non, je suis désolé. Non, pardon. Non, comment je... Pardon, excusez-moi. Oups. Excusez-moi, je vais y aller. N'allez pas là-bas, hein. Il y a des robots qui font des trucs bizarres. N'y allez pas, hein. C'est... Voilà. Pardon, excusez-moi, je pars par là. Je suis désolé. Excusez-moi, hein. Je vais y aller. On va prendre dans cette direction là, ça me semble intéressant. Il pourrait sembler, à un œil non entraîné, que j'ai un peu chié dans la colle. Mais ça n'est qu'une illusion d'optique. Vraiment. Bonsoir, Tagoria. Vous pouvez descendre à l'échelle, sans doute. Quand même le raccourci le débloquer de manière le plus artificielle que j'ai jamais vu de ma vie, mais ok. Operator 6022B. Time for your regularly scheduled contact. Qu'est-ce qu'il y a, choupette? Parle-moi. 2B here. What's wrong? Oui. On a tous été là, bébé. Honestly, Tubi, I don't know how I'm supposed to go on living. I am definitely not the person to discuss this with. Ça, c'est pas faux. I don't think I can stand spending one more day in this bunker. Nines, tu veux prendre l'appel? Je crois que c'est plus ton domaine, ça. It would affect mission efficiency. C'est le truc le plus romantique que t'as jamais dit à une femme, toi. Hein. All Model B combat units require the assistance of an operator. So, 2B. Tu peux nous lire un peu l'histoire, on voit pas les sous-titres. En gros, l'opératrice était en train de chialer parce qu'elle a essayé de dire à une autre opératrice qu'elle aimait bien, qu'elle voulait passer du temps avec elle. L'autre opératrice l'a envoyé chier et du coup, elle parlait limite de dire je ne peux pas passer un jour de plus sur cette base, ma vie c'est de la merde, etc. Ce à quoi 2B a répondu, je suis vraiment pas le genre de personne à qui parler ce genre de truc avec. Ce à quoi l'opératrice a répondu,
Ouais, mais bon, voilà, de toute façon, j'en ai ras le cul. Ce à quoi Toubé a répondu, non mais si tu te barres, moi ça va affecter la mission. Ce à quoi l'opératrice a répondu, non mais du genre, ça veut dire que t'as besoin de moi. Ce à quoi Toubé a répondu, ouais, on a tous besoin d'une opératrice pour travailler. Et grosso merdo, voilà. J'essayerai de faire des traductions plus simultanées et plus proches la prochaine fois. Là, vous vous contentez de ce qui me reste dans le cerveau 4 minutes après. Sachant que, voilà, Sixo c'est ma waifu. Sixo, oui, je peux comprendre. Je peux admettre cette information. Bonjour, alors comme ça vous bossez avec des robots, ça aurait peut-être été intéressant de nous communiquer l'information il y a 5 minutes. Un filtre à carburant, ça tombe bien, on commence à en manquer. Ça veut dire que vous avez rencontré Pascal. Non, je te sors déjà complètement au pif, mais j'ai l'impression d'être tapé pas loin de la vérité. Alors comme ça, on pactise avec l'ennemi. Ça. Peut-être qu'avec les machines du village, elles sont inoffensives. Elles savent fabriquer des appareils sophistiqués, trop complexes pour nous. En échange, on leur fournit du carburant et des matériaux divers. Enfin, il s'agit d'une forme de troc. Je vois... Vous repassez là-bas, vous pourrez donner cette huile à viscosité élevée à Pascal, s'il vous plaît. Est-ce que tu nous as pris pour putain de DHL? Est-ce qu'il y a marqué colis privé sur mon front? Est-ce que ma robe est signée Colissimo? Est-ce que ça vous dérangerait de faire votre prof business tout seul parce que j'ai un peu pas que ça à foutre? Alors, c'est un mensonge, j'ai littéralement que ça à foutre. Mais, n'empêche... C'est quoi le truc rouge qu'on voit là? Quête! C'est le nouveau modèle Yura. Et plus récent. Avez-vous besoin de quelque chose? Je parie que des nouveautés qui donnent l'intérieur de tous les défis. Dis toujours. Oui. Dis le ton cake. Si vous insistez, en fait, un de mes amis a disparu. Disparu. Un entrepôt de matériel. Non, lui, je vous supplie. Le supplie des pots. On sait où est l'entrepôt de matériel. Vous pouvez y accéder de là-haut. Alors. C'est vrai que combien que Anemone leur a donné les noms et drapeau blanc. C'est vrai que c'est cohérent. Je vais pas s'ouvrir. Monsieur, faudrait que vous mouriez cette merde. Parti gros Piora. Anemone a dit de faire comme chez nous. Je vois. Ils arrivent. Une boîte à musique qui, quand on l'ouvre, j'arrive pas à me sortir la musique de la tête. Est magnifique, j'ai jamais entendu aussi beau. Je me souviens de la première partie de la mélodie. Je peux venir au camp afin que je puisse écouter cette mélodie. Ok, c'est bon. Oui, dans un lieu où on joue. Parc d'attraction lequel c'est un endroit idéal pour les recherches. Donc je suppose que si on règle ta quête, tu nous ouvres la porte et ensuite on peut... Oh la vache, ok. Les quêtes à tiroirs, c'est toujours un succès. Sixo est un robot lesbien. En tout cas, il est fortement insinué que Sixo... enfin bon... Parce que les robots ne sont pas censés avoir de sentiments, donc un robot lesbien, mais par contre, comme Sixo était un peu en larmes parce qu'une autre opératrice n'a un peu refusé ses avances, on peut en déduire que... Tu peux nous appeler? Oui. Nines, écoute-moi. On va jouer à un jeu qui s'appelle Ferme ta putain de grande gueule. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours les bienvenus dans notre village. Ok, c'est super gentil de leur part. Surtout quand tu les traites comme des putains de racistes de merde. Excusez-moi, je parlais à Nines. Les mecs, ils nous accueillent. Je découpe à moitié l'un de leurs membres. Les types, ils bougent pas un doigt. Ils sont en mode, je suis désolé. Comme des enfants battus. Donc, s'il te plaît, Nines, ferme ta putain de grande gueule. Hein? Tu pourrais essayer une fois dans ta vie de pas gâcher complètement le moment. Déjà que ta simple présence est une insulte au bon goût. Merde. Excuse-moi, Nines, je suis un peu fatigué ce soir. Mais c'est toi qui fais charge la merde aussi au bout d'un moment, hein. Déjà que je t'accueille comme sidekick dans cette aventure et que je suis bien agréable de le faire. Vraiment, ferme-la. Alors, carte. Il était où leur super raccourci là? Parce que je leur trouve même plus déjà. Excusez-moi. En fait, apparemment, on n'avait pas besoin du super raccourci parce que d'abord, on a un truc par là. Non. Si. Non. Non. Si. On a besoin du super raccourci.
Alors. Bonjour, je cherche le super raccourci de derrière la caisse. L'auriez-vous vu, messieurs, dames? Super raccourci de derrière la caisse? On va déplacer une caisse. Sans déconner, je suis... Ça va se sentir, je pense, à un moment, comme pendant ce stream. Pendant ce stream, à un moment très discrètement, vous risquez de sentir que je suis un peu fatigué. Ça va sans doute s'exprimer d'une manière extrêmement discrète, si ce n'est fugace. Mais vous allez pouvoir repérer quelques indices qui laisseraient à penser que je ne suis pas à 2000% mentalement là, en fait. Peut-être même pas à 1000%. Peut-être même pas à 1%. Surtout si ça arrive, ne paniquez pas et gardez votre calme. Est-ce que c'était plus en avant par rapport à ça? Est-ce que c'était plus en arrière? Est-ce que c'était là, dans ce coin-là? Je ne sais pas. Bon. Alors. Carte. Oui. Village de Pascal. Oui, ça c'est le but, c'est l'objectif final. Mais pour aller au village de Pascal, il faut d'abord que... Alors attends. Faire personnaliser. Là? Là, là. Non, parce que le raccourci il était carrément à 2,50 m du village de Pascal, en fait. C'est ça ce qui me choque. Les manèges. Alors, je suis où, moi? Je suis là. Ça devait être ici. Ça devait être ici. Ok. Allons par là. Allons par là en gambadant comme des petits petits cabris joyeux de l'Atlas. Et d'ailleurs mon nom indien, petit cabri joyeux de l'Atlas. Ainsi que Facocher Scatophile, ce sont mes deux noms indiens. J'ai pas forcément choisi, je vous cacherai pas. C'est... Ouais, voilà, c'est les indiens, c'est un peuple spirituel, c'est différent. Alors. Bonjour, je cherche une caisse que j'aurais bougée. Est-ce que vous en avez entendu parler? Merci. Cours, 2B! Cours comme si demain n'existait pas! Va livrer de l'huile visqueuse. Encore une phrase que je m'attendais pas forcément à dire aujourd'hui. Bon, vous avez tous fini avec vos drapeaux blancs à la con? Magasin. Ouh. Parle-moi. Ah! Je sens des séquences de pêche qui apparaissent. Je sens de violentes séquences de pêche qui nous arrivent. Bonjour. Tu vends des puces? Chance. Les ennemis ont 10% de chance de plus de lâcher un bout. Acquisition XP? Tu en les ennemis 2% en plus. Moins 2% en programme de pod. 0,5% 0,5 secondes d'invulnérabilité après avoir subi des dégâts. Cool. Que des trucs qui sont à la fois sexy et à la fois cool. Mais qui consomment un max de place. Ok. Venez quand vous voulez, n'hésitez pas. C'est noté, merci José. Qu'est-ce qui se passe par là en bas? Et au sommet du village devant le château de la forêt, puis j'ai tonton Pascal. Entrée du village pour un parc d'attractions. Il faut aller dans la hauteur, je les porte, mais bon, tous les jours ça finit par fatiguer les bras, ça j'imagine. On a tonton Pascal dû lui apprendre le sens du mot fardeau. Lol. Il m'aligance quelque chose, seul en haut. Oui, c'est pas faux. Même si c'est un petit peu 9S, hein, comme réflexion, si je peux me permettre, je crains qu'il n'ait pas totalement tort. Et quand les soldes, ça devrait commencer là incessamment sous peu, mercredi prochain, peut-être, je dirais. Vous m'avez apporté de l'huile. Animon ici, prévoyeur d'être passionné. Si seulement tous les androïdes et toutes les formes de vie mécaniques pourraient s'apprendre à s'entendre ainsi. Pas de manabé.
J'ai peur que vous ayez raison. Je serais gré de pouvoir vous aider certaines autres machines, ceci. Oui. Oui, il y a aussi un bon moyen de... C'est un peu la question que j'étais en train de me poser. Oui. Écoute. All your high units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. Vous êtes pas au courant. Hein. I promise you, we were not aware of it. Deux secondes. Récupérer. Alors donc, il y a une unité Goliath qui se balade dans la ville. Il faut qu'on interagisse tous les deux immédiatement. But I hope you will, nonetheless. We'll sort it out later. Et elle nous dit qu'elle était pas au courant. Let's go. Alors. Ah oui, du coup, il faut qu'on remonte d'abord. Je voulais aller chercher mon truc... Ouais, ok, on n'a pas le temps de se balader, je parie. Je voulais aller chercher le truc au parc d'attractions... Tu peux remonter un peu plus vite et sans dandiner les fesses de B, s'il te plaît. Ou en continuant à dandiner les fesses, parce qu'après tout, on va pas se mentir, hein, c'est agréable à regarder. Mais sans... En te bougeant un peu le cul, quand même. Oui, oui, on arrive. En abandonnant leur mission, 2B et 9S sont infligés un coup de grâce aux forces de la résistance dans la cité en ruine. L'éradication du groupe Yura n'est plus qu'une question de temps. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Et je ne me souviens pas quand j'ai sauvé pour la dernière fois. Oups.